richiamato prima il lavoro che stanno facendo con le carovane in Africa. Ci sono diverse le carovane che in questi mesi si stanno mettendo in moto. E in Senegal poi sentiremo un lavoro enorme. Volevo ricordare però una carovana un po' speciale, una carovana culturale che ha avuto inizio anni fa grazie proprio ai contributi del Ministero e della cooperazione italiana con Cinemarena, portata avanti anche da Cinemovel, dove attraverso il film dei villaggi riescono a parlare di questi contenuti. E anche Cinemarena e Cinemovel stanno indirizzando verso le tematiche, le testimonianze, il ruolo delle donne, una loro carovana per essere presenti e contribuire a questa campagna. L'altro aspetto della comunicazione, grazie a questo progetto che sia il sottosegretario ha ricordato all'inizio della cooperazione italiana, stiamo già predisponendo il primo social network dedicato proprio al Working Africa, cioè ai protagonisti di relazioni con l'Africa, non solo le realtà africane, delle donne, ma non solo, ma anche quelle italiane, europee, internazionali, un social network che permetterà di essere in continua comunicazione autogestita tra i vari attori, mettendo a disposizione non solo i progetti, le esperienze, ma anche le riflessioni, i documenti, le posizioni per alimentare questi confronti. Passiamo ora a Bernadette Nwongo, della Repubblica Democratica del Congo. È una donna un po' ribelle fin da giovane, che è andata contro le tradizioni con le sue esperienze di vita, sposando un capo di una tribù diversa e che ha ricevuto il premio dall'ambasciata degli Stati Uniti della Repubblica Democratica del Congo per come donna coraggio per il suo lavoro fatto a favore delle donne vittime dei conflitti. La parola a Bernadette Nwongo. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour la parole. On vous demande de présenter la situation de guerre en République démocratique du Congo et les processus de paix de 1991 jusqu'à 2010. Particulièrement à l'est de la RDC. Donc, toutes les guerres, les différentes guerres successives, se sont passées à l'est de la République démocratique du Congo. Surtout à la province de Nord-Kivu, la province du Sud-Kivu, le Maniema et l'Ituri. Nous avons connu deux natures de guerre chez nous. Nous avons connu en 1991 les conflits interethniques. Une milice qui s'appelle Magrifi, mutualité des agents de Virunga, qui ont commencé le massacre de la population autochtone pour le problème de nationalité. Alors, ils ont manipulé les membres des communautés pour leur positionnement dans la politique. Nous avons connu un autre conflit, c'est un conflit économique entre les grandes puissances. C'est l'exploitation minière de la République démocratique du Congo, mais une exploitation illégale. Alors, en 1994, nous avons accueilli l'arrivée massive des réfugiés rwandais. Nous avons assumé. En 1996, nous avons accueilli la guerre de l'AFDL, dite guerre de libération, venue avec M. Laurent Désiré Kabila. Non, la population congolaise croyait que c'est la guerre, c'est les Rwandais qui attaquaient les Congolais. Mais en fait, c'était les Congolais qui étaient fatigués par la dictature du président Mobutu qui avait besoin de changement. Alors nous, en tant que femmes, nous avons organisé des mouvements de milices, de maïmaï, qu'on appelle maïmaï, pour faire l'autodéfense de la population et de notre territoire. Alors maintenant, comment nous sommes parvenus à atteindre Kisangani? Nous avons créé un blocage au niveau dans la localité de Sake. Il y avait un camp de réfugiés rwandais Hutu à Mugunga et qui créait le blocage pour que l'AFDL puisse entrer et récupérer le territoire des massifs et Walitari. Alors, quand Mouzé a demandé à ce qu'on puisse négocier, nous avons organisé le notable pour monter, rencontrer la délégation de l'AFDL. Alors, il a fait nous expliquer qu'il venait pour le changement.
Nous avons, ils ont démantelé le camp de Mugunga. Nous avons ouvert le chemin jusqu'à ce que Mosé a parvenu à atteindre Massisi Kisangani et Tombé. En 1998, arrivé à Kinshasa, Lubumbashi-Kinshasa, il y a mes attentes. Il y a encore une autre guerre de rectification avec les RCD. Nous croyons encore que c'est les Rwandais qui nous attaquent. C'était les Congolais encore qui voulaient la rectification des choses qu'il y avait une incompréhension au niveau de la capitale. Là, je deviens président de la société civile de la province, mais j'avais la casquette de la reine d'une tribu, ce qui m'a aidé à influencer le notable. À ce même moment, à l'époque du RCD, nous avons créé une structure qu'on appelle Commission de pacification. La commission nous a permis de nous mettre ensemble entre les communautés pour réfléchir sur l'autocritique de chaque communauté. 21 jours durant le travail, nous avons mis sur pied une structure qu'on appelle le Barza intercommunautaire. C'est une structure qui est constituée de tous les représentants, les notables de la province pour prévenir et gérer les conflits. Cette structure nous a permis à rencontrer les acteurs apparents et non apparents. Nous sommes partis rencontrer tous les chefs d'État de la région du Grand Lac, en commençant par l'Ouganda. Nous avons rencontré le président Museveni à deux reprises. Nous avons rencontré le président Kagame une fois. Nous sommes partis en Afrique du Sud rencontrer M. Thabombe, tout ce que les belligérants ne voulaient pas signer. Il y avait déjà balkanisation. Alors, le gouvernement et le rebelle. Comment former maintenant un gouvernement de transition? Madame Thabombe, présidente de l'Afrique du Sud, nous aide à organiser un rassemblement des femmes congolaises pour la paix. De Johannesburg, nous avons organisé une marche jusqu'au bureau du président Thabombe. Nous avons demandé aux belligérants de signer et de passer à la transition, non pas pour les signer. Alors, nous avons demandé à ceux que s'ils ne signent pas, nous, en tant que femmes, nous allons récupérer le pouvoir. Et si on ne parvient pas à récupérer le pouvoir, nous organisons un embargo des armes fermées. Alors, ils ont quand même, ils ont compris, ils ont signé à minuit. C'est ainsi qu'ils sont partis à Kinshasa pour créer le gouvernement de transition. En 2006, vient encore la guerre du CNDP avec Laurent Nkunda. Toujours à l'Est. Qu'est-ce que nous faisons en tant que femmes avec la résolution 1325 des Nations Unies, qui parle de la femme, la sécurité, le développement et la paix, j'organise une descente de 10 femmes de différents membres du parti politique pour aller échanger avec le